J'ai fait de la gestion avant d'étudier en gestion. J'ai été directeur général de la Société artistique à l'Université Laval, puis j'ai été le premier directeur du Théâtre du Trident. Donc, j'ai fait de la gestion. J'ai fait de la gestion en étant, comme à peu près tous les gestionnaires, mal préparé pour faire ça. J'étais aucunement préparé à devenir directeur d'une compagnie de théâtre. J'avais 28 ans, c'était trop. Mais, comme tout le monde qui se retrouve dans une situation comme celle-là, tu plonges dans la piscine, puis tu nages. Alors, j'ai nagé. Et je me souviens que, dans ce temps-là, je lisais les principes du management de Cairns et O'Connell. C'était un peu le planifier, organiser, diriger, contrôler. Puis il y avait comme une recette un peu magique. Puis j'avais des gens sur mon conseil d'administration qui étaient des MBA, qui n'avaient pas été formés ici à l'école des HEC, là, mais qui étaient des MBA et qui arrivaient avec une façon, un processus, puis une façon assez normative de faire la gestion. Et je les ai entendus plusieurs fois, « Tu fais pas comme on apprend à l'école, mais ça marche. Les salles sont pleines, on fait pas de déficit, c'est un succès extraordinaire. » Là, mais j'étais complexé. J'étais complexé dans le sens que je me disais, j'ai pas de formation. Et ça, je le vois chez beaucoup d'étudiants au MBA, où j'enseigne surtout au MBA. Les gens, généralement, sont mal préparés pour faire ce métier de diriger une entreprise, pas rien qu'en termes de direction stratégique, mais en termes de direction des personnes. Diriger une personne, c'est difficile parce que c'est une personne qui dirige d'autres personnes, puis la logique de chacune des personnes n'est pas la même. Donc, quand tu diriges, il faut que tu ressentes un plaisir à diriger une personne qui n'a pas la même logique que la tienne, qui n'a pas la même logique que l'autre à côté, puis tu sais que tu composes pas avec cette personne-là comme tu composes avec l'autre. Alors, quand je suis arrivé à l'école des HEC, mon premier choc, c'était les cours qui étaient donnés, les cours de management qui étaient donnés par la méthode des cas. C'était le début de la réforme qui avait été faite pour le BAA et le MBA, puis c'était une réforme qui avait été faite par des professeurs qui avaient étudié à Harvard. À cette époque-là, il est venu beaucoup de professeurs qui avaient des DBA de Harvard, dont je pourrais dire Pierre Lorrain, Paul Dell'Agnello, Jean Guertin, tous d'excellents profs. Et eux, ils enseignaient par la méthode des cas. Et la méthode des cas qui était enseignée à Harvard était une méthode des cas assez audacieuse. La théorie, c'était secondaire. Il y avait, bien sûr, il y avait un modèle stratégique, le modèle d'Andrews, de triangle, où maintenant c'est devenu un carré. Mais le modèle était, ce qui était vraiment le cœur de l'enseignement, c'était des cas. Et j'ai étudié en finance, j'ai suivi 4 cours en finance par des professeurs qui étaient des champions de la méthode des cas, Guynemer Giguère, Jean Guertin, sur qui j'ai écrit un cas d'ailleurs, sur l'enseignement par la méthode des cas. Et là, ça a été une découverte. Une découverte en classe. D'abord, j'étais intéressé. Parce que c'était, on nous parlait de vraies entreprises, on nous parlait de vraies situations d'entreprise. Et là, quand je sortais en ville avec mon auto, puis que je passais à côté des noms de compagnies, je faisais « Wow, je la connais, cette entreprise-là. J'ai étudié le cas. » Donc, ça m'a comme réconcilié avec le monde des affaires. Parce que quand on vient du monde du théâtre, on n'est pas très... Le monde des affaires est un peu suspect. Ça m'a réconcilié avec le monde des affaires et ça m'a réconcilié avec l'école. Il y avait une méthode qui convenait bien à quelqu'un comme moi, qui apprend par l'action, qui réfléchit par l'action. Il y a des gens pour qui ils se mettent à agir et là, la réflexion, ils sont obligés de le faire. Alors qu'il y en a qui, très souvent, la réflexion vient avant, puis le plan d'action vient après. Moi, cette méthode-là me convenait parfaitement. Donc là, il y a eu une vraie découverte. Et j'ai souvent dit que la pédagogie que j'ai apprise, je l'ai plus apprise ici à l'école des HEC que je l'ai apprise quand j'ai étudié en pédagogie à l'Université Laval. Parce que la pédagogie à l'Université Laval était une approche plus théorique, alors qu'ici, il n'y avait pas d'approche théorique du tout. Donc, la méthode des cas que j'ai apprise, je l'ai apprise par les bons profs que j'ai eus au MBA, avec une surprise, on peut apprendre comme ça. Et là, moi,
J'avais pas encore compris qu'en médecine, ils pouvaient faire la même chose, qu'en droit, ils peuvent faire la même chose. Alors là, pour moi, ça, c'était une révélation et c'était ma vraie école de pédagogie.